Alors, Jean-Henri, on était resté sur une défaite à Rajon contre Nice, et puis là, 41-3 contre Bourg. Il est vrai, avec une équipe un petit peu diminuée. Qu'est-ce qu'on retire de ce match ce soir? Ben déjà, on ne va pas encore une fois se trouver d'excuses. L'équipe est diminuée, mais l'équipe qu'on avait alignée aujourd'hui, c'était la meilleure qu'on pouvait aligner. Ensuite, le match de Nice, visiblement, a laissé des traces, hein, parce que ce match nous a touchés chez nous à domicile. Aujourd'hui, on a pris une leçon de rugby. Voilà, tout simplement. L'équipe de Bourg-en-Bresse allait plus vite, plus fort, était plus complète que nous, dans tous les compartiments du jeu. Bravo à eux. Alors on a vu aussi une équipe bergalienne beaucoup pénalisée, ça avait été le cas aussi contre Nice, donc est-ce qu'on va un petit peu travailler là-dessus dans les semaines qui viennent? Oui, on a pris deux cartons jaunes, effectivement, deux cartons jaunes qui nous ont coûté beaucoup de points, beaucoup d'essais, mais il n'y a pas que là que ça se joue. Je pense que cette équipe de Bourg-en-Bresse est au-dessus de la nôtre, sans coup faire rire. Donc voilà, à nous de nous remettre au boulot dès vendredi contre Nîmes, parce que là aussi, il va falloir qu'on montre un autre visage. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques blessés? Parce qu'on sait que l'infirmerie bergalienne est déjà bien remplie. On en a vu deux, trois qui avaient l'air de souffrir un petit peu. Est-ce que les nouvelles sont rassurantes? Quand on recule et qu'on part sur le cul, évidemment qu'on souffre, mais on fera un bilan un peu plus tard. Là, il y a quelques petits bobos, j'espère que ça ne sera pas très grave. Juste une dernière petite question, un petit peu comme contre Nice, on arrive parfois dans la zone des 5 mètres, un petit peu la zone de vérité, et on se fait encore repousser, on n'arrive pas à marquer. Est-ce que c'est aussi un point sur lequel il va falloir essayer de travailler un peu? Oui, parce qu'on a des opportunités de marquer, même si le score est fait, et on a campé pendant je ne sais pas combien de minutes en deuxième mi-temps, près de leur ligne d'essai, et on était incapable de scorer par excès d'individualisme. Donc voilà, ça aussi il va falloir le gommer, tout à fait. Alors on va essayer de se retrouver vendredi pour une victoire. Je le souhaite.